Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. To come in susu mukola lelo. Mukola oto bana ko zela. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes encore là ce soir pour vous. Alléluia. To ko banda na prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Donc prier puisque nous ensemble, nous allons prier, nous allons orer, nous sommes juntos en nom de Jésus, pour commencer notre travail, en nom de Jésus. Orons. Seigneur Dieu, je te par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la bonté. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Alléluia. À tous, shalom. Dieu abençoe à tous. Que Dieu est à la direction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Tous qui sont ici. Que Dieu vous abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vos instants muito chamados, que Deus está com vocês. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos se apresentando. Aleluia. Nós vamos nos apresentar. Meu nome é pastor missionário Boa Vista. Aleluia. Yes, meu nome é pastor Diedoné Nyondonvoama. Aleluia. Pastor Jonas Oliveira Moreira. Deus que abençoe de uma maneira poderosa. Estamos na presença do nosso Deus. Amém. Moi, c'est votre maman, l'évangéliste Ruth, de Life Rescue Ministry. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos que mais dia da bênção nas nossas vidas, que Deus continua sempre a nos abençoar. Não afaste do teu televisão, porque chegou o momento que Deus quer falar no teu coração. Alléluia. Dieu veut parler dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à recevoir ma parole brièvement avec notre pasteur. Alléluia. Dieu donné. Mais antes disso, pasteur Jonas va parler une chose. Alléluia. Par ton cœur qui t'a eu. Faire bien par recevoir cette parole. Pasteur Jonas va libérer une sim, nós queremos neste momento falar a todos vocês que estamos aqui prontos neste dia para orar, para buscar a presença de Deus, a todos que estão aí na frente do seu aparelho de TV. Nós, a partir deste momento, ouviremos uma poderosa mensagem da palavra de Deus. Não saia daí. Você vai ser grandemente abençoado por Deus. Depois da mensagem, nós estaremos orando por cada um de vocês. Vocês estarão chamando aqui através do telefone e nós estaremos orando, buscando a bênção de Deus em vossos corações. Permaneça na presença de nosso Deus neste momento. Amém. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes. Vous avez vraiment bien choisi d'être là ce soir. Et je le crois de tout mon cœur que vous serez bénis parce que Dieu a un message particulier pour vous ce soir. Et je sais que comme il utilise d'habitude puissamment son serviteur, il y aura quelque chose. Soyez préparés, bien-aimés. Si vous vous attendez à quelque chose, eh bien, vous allez le recevoir. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes orant pour le message en nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Jonas va levantar un clamor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, neste momento, nós estamos na tua presença. Nós sabemos que usará o teu servo de uma maneira poderosa, sempre como tem usado. Neste momento há pessoas tristes, há pessoas com problema, enfermo, há pessoas desejosas de ouvir a tua palavra. Então use o teu servo, Pai, que neste momento estará liberando a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra, Senhor, poderosa para todos os corações daqueles que estão na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, você que está aí, você fica sabendo que vamos também falar no português, como nós estamos aqui com os homens de Deus que falam português, como o pastor Jonas está aqui. Uhum. Vamos falar também francês, como estamos aqui com o pastor Dieudonné, com nosso mamá Ruth Azi. E vamos falar também lingala, como eu estou aqui. Quer dizer que a gente está usando muitas línguas. Por isso, você não afasta na televisão. Aleluia. Nós vamos utilizar francês, nós vamos utilizar lingala, português e l'anglais. Aleluia. Aleluia. Au nom de Jésus. Comme nous avons déjà prié pour l'homme de Dieu, et nous allons laisser la place pour l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Je pense que c'est un hasard que Dieu a permis que vous puissiez nous suivre à ces instants. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il a entendu, la Bible dit, l'Éternel a entendu les cris des enfants d'Israël. Pendant plus de 430 ans, ils ont prié, ils ont crié. Et la Bible dit, l'Éternel a envoyé sa parole. Et je crois que cet après-midi, l'Éternel a envoyé une parole précisément pour toi. Ce message est destiné à toute personne qui se sent dans l'impossibilité. Mon message est destiné à toute personne qui vit dans des moments difficiles et compliqués. Tu es en train de te dire que c'est fini pour moi, je ne sais pas, parce que même la médecine m'a rejeté. Tu es en train de te dire que mon cas a tellement duré, plus que le problème de 38 ans de cet homme que nous voyons dans la Bible. Tu es en train de te dire que pour moi c'est fini et je ne sais que faire. Voilà une réponse pour toi. Laisse-moi te dire, dans le royaume de Dieu, il y a deux choses qui marchent, la parole et la foi. Lorsque Dieu envoie la parole et ça rencontre la foi, ça change les situations. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons comprendre les points et les éléments qui changent les cas impossibles aux possibilités. Et nous allons maintenant parler du le Dieu de l'impossible. Je vais te présenter un Dieu. Le Dieu en qui nous avions cru, c'est lui qui était mort pour nous. Il est ressuscité le troisième jour, son identité. Il est celui qui traite les cas impossibles. Amen. Si nous amenons un dentiste, il sera spécialiste pour traiter les cas des dents. Si nous amenons un footballeur, sa spécialité, c'est de traiter les cas, le football. Mais notre Dieu traite les cas impossibles. C'est ça sa spécialité. Et c'est lui que nous allons vous présenter cet après-midi. Sans plus tarder, je vais commencer par lire le premier verset, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 14. Mais nous allons lire quelques versets. Allez lire cela à la maison après l'émission. Et vous pouvez nous contacter même à la fin. Et nous serons là à votre service pour traiter des problèmes impossibles. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. Je reprends encore, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je m'arrête un peu là. Vous allez lire du verset 1 jusqu'au verset 14 du livre d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel était dans une vision. La Bible révèle tout simplement que Dieu avait montré à Ézéchiel une vision. Il l'a transporté dans une vallée. Au fait, Dieu parle par les illustrations, par les paraboles, par des instructions, par les commandements. Et ici, Dieu a donné cette vision à Ézéchiel. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il a montré à Ézéchiel des ossements desséchés, c'était vraiment sec. Non seulement c'était sec, c'était dispersé. Cela veut dire, tu peux voir le crâne de l'autre côté, la main de l'autre côté, et il n'y avait pas la possibilité de pouvoir les réunir et identifier chacun de ces ossements. Et Dieu dit maintenant à son prophète, posant une question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? C'était dans une équation. Toi aussi tu te demandes, Dieu te pose la question, penses-tu que ces problèmes peuvent avoir la solution? Tu te dis toujours, ma maladie a tellement duré, la médecine m'a rejeté, les choses ne marchent pas bien. Mais Dieu te pose la question, crois-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Waouh! Voilà la question.
Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il est un Dieu de cas impossibles. Voilà pourquoi il avait permis à son serviteur de voir ces cas impossibles. Et lui qui était prophète, la Bible dit, il n'a même pas pu identifier cela. Il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Cela veut dire, inhumainement parlant, médecinement parlant, naturellement parlant, physiquement parlant, c'était impossible. Et il n'y avait pas de solution pour ces ossements. Et le prophète a dit, toi-même tu le sais. Tu sais, il y a des cas dans la vie, quand tu regardes ton problème, tu dis, oh Seigneur, toi-même tu sais, parce que même la médecine me dit que c'est fini. Tu regardes ta situation, tu dis, toi-même tu sais, parce que même on m'a écrit la lettre, on m'a dit de quitter, et il n'y a pas de solution pour mon dossier. Tu regardes dans ta vie, tu vois des situations en fait compliquées et tu ne sais pas comment faire pour changer les situations impossibles. Oh my goodness, je t'amène la cure cet après-midi. Et je sais que ta vie ne restera plus jamais la même. Avant de continuer, je vais te rappeler, n'oubliez pas ces mots. Dans ces royaumes, il y a des choses qui marchent, la parole et la foi. Lorsque la parole est libérée, mettez la foi et vous allez vivre l'impossible dans votre vie. Avant de passer, je veux vous dire ceci. Dieu avait dit à Pierre, pardon, Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, marche sur l'eau. Marcher dans l'eau, marcher sur l'eau, c'était marcher sur le chemin de l'impossible. Mais Pierre avait crié à cette parole, c'est alors qu'il a marché sur l'eau. Donc, la foi à la parole produit l'impossible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Yes. Oh, souriez déjà. Je vois le sourire de ma maman. Souriez déjà parce que ton cas a trouvé le médicament qu'il faut ce soir. Amen. 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 Yes. Alléluia. Dieu dit maintenant, oh my goodness, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, toi-même tu le sais. C'est-à-dire, humainement c'est impossible. Mais toi tu es le Dieu des impossibilités, alors je crois que tu peux changer cette situation. Alléluia. Oh my goodness. Oh, sans plus tarder, Dieu avait donné à cet homme ces deux clés que nous allons partager ce soir. La cure que nous allons vous donner cet après-midi, c'est ce qu'à toi de les garder. Il y a beaucoup de cures, il y a beaucoup de médicaments spirituels, bibliques, qu'on peut vous donner. Mais aujourd'hui, on va vous donner ces deux cures, ces deux médicaments. La première des choses, Dieu a dit, pour changer cette situation impossible, pour restaurer cette situation, Dieu a dit ceci. Waouh! Dieu a dit ceci, il a dit, prophétise sur ces eaux. Avant de continuer, je laisse d'abord la parole à maman pendant quelques deux minutes pour s'adresser à nos bien-aimés anglophones. Ils vont nous aider. Alléluia. God is good. Yes. Alléluia. All the time. Alléluia. God is good. Alléluia. We are talking, we have read in the book of Ezekiel, yes, chapter 37, from verse 1 to verse 14. But we can't read all of them. You can read them at home when you're going to have the time. What the man of God is saying here is, our God is the God of impossibility. Yes. All things are possible. Yeah. Nothing can be, there is nothing that he can't do for you. So here it's about the bones. That when the Spirit of God took the prophet Ezekiel to the valley, and he showed them where there were many, many bones, and they were all dry. And God asked the question to the prophet Ezekiel, can this bone live again? In verse 4 and verse 3, amen. God says, and he said to me, son of man, can this bone live? So God asked this question to the prophet, and the prophet gave a wise answer. Yes. And he said, God, you know. Mm. He said, and verse 4, he said, again, he said to me, prophesy to this bone and say to them, all dry bones, hear the word of the Lord. Mm. All bones, hear the word of God. So yes, the man of God is saying that there are two things, there are two keys that yes, we need. Mm. If you are living in a situation that you find that it's very hard, you think that it's impossible for you to come out this situation, yes, but you need to know two things. That we need to have faith and also to have the word of God. Yes. Because according to the word of God, and when you have faith, that's when situation can change in your life. Amen. So be prepared now. The man of God is going to carry on and to tell you a bit more.